Ah putain, je suis heureux. Ah putain, je suis heureux, j'ai tout. J'ai tout. Ah, je suis heureux. Tu me dis un truc, n'importe quel truc, je l'ai. Vas-y, dis-moi un truc. Je l'ai. À la baraque, autour de la table, il y a 5 télés. Chacun la sienne, plus une pour le chien. Il n'y a même plus besoin de parler. De toute façon, avec ma femme, on n'a rien à se dire puisqu'on s'aime. Et puis ma femme, elle est heureuse. Ah, la pucette, elle a bien pris 40 kilos depuis le mariage. Eh bien, parce qu'elle est heureuse, c'est le bonheur qui fait grossir. On est tellement heureux, on n'en a rien à foutre de rien. Rien. Tu prends la grippe arrière, les SDF, la misère, le chikungunya. On n'en a rien à péter. Et ça, c'est la preuve. Quand t'es heureux, tu n'en as rien à foutre de rien. Puis les gamins, ils sont heureux. Ah, le petit dernier, là, il ressemble à sa mère, hein, comme deux gouttes d'huile. 9 ans, 85 kilos. Que du bonheur. Et sa sœur, la Myrlène, elle est tellement en avance, à 14 ans, elle est enceinte. Et son mari, là, mon gendre, il est plus vieux que moi. Mais comme dit Pucette, qu'est-ce que ça peut nous foutre s'il s'aime? Ah putain, je suis heureux. Je suis tellement heureux le soir, quand je me couche. J'ai la tête vide. Mais alors, mais vide, mais... C'est désert, c'est... Mais tellement vide que je sais pas quoi me dire dans ma tête. Et heureusement, quand je rêve, il y a toujours des pubs qui passent dans mes rêves. Si, c'est vrai, hein. Oasis, ça. Quand je prends... C'est dingue, hein, c'est dingue ce qu'on emmagasine là-dedans. Hein. Dans le cerveau-lard. Hein. Non, mais c'est normal. C'est la capacité de mètre cube du cerveau qui compte. Hein. Ah bah, hey, nous on domine et de très haut, hein, par rapport aux gens de l'ancien temps. Ah bah, à l'époque, les mecs, c'était des enclumes. Ah ouais, non, mais ils étaient tellement en dessous de nous que si tu prends un génie comme Léonard de Vinci, ça correspondrait à un homme moyen d'aujourd'hui. Ça, c'est prouvé. Moi, par exemple. Je suis largement au niveau de Léonard. Ah bah attends, je discute avec lui, je devenais minable. iPod, DVD, high-tech, PlayStation, tu l'autre, le comprendo, c'est ça. Comprendo, boum dans ta gueule, elle va te coucher, connard. Non mais attends. Comme c'est peinture au Leonardo, c'est gentil pour dans une cuisine ou je sais pas, mais... Franchement, la Joconde, si tu regardes bien, ben, derrière, c'est pas net. C'est trouble. Non, c'est vrai. Ça vaut pas une bonne photo avec mon téléphone portable. Hein. 2 millions de pixels, c'est nickel, et ça prend une demi-seconde. Hein. Tandis que lui, ça se trouve, il mettait 4-5 jours à les faire. C'est dessin, là. Ah non, mais c'est nous qu'on domine. Ben, attends, et c'est nous qu'on a tout inventé. Hein. Alors bon, ben c'est normal qu'au niveau qu'on est, on est plus heureux. Ben, on a des voisins, ils sont tristes. Ils ont rien. Une seule télé, même pas... Une seule télé, même pas plate. Et alors les gamins n'ont même pas le droit de les regarder. L'horreur. Alors les gamins, ils sont tout minces, ils se trimballent avec des petites lunettes, des bouquins sans images. Et ils ne sortent jamais le week-end. On les croise jamais chez Continent. Hein. Pourtant, on leur propose. Hein. C'est vrai. On dit, mais on va chez Continent, vous voulez qu'on emmène les gosses? Non, te penses-tu? La dernière fois, il dit, non, cet après-midi, on va au cirque. Non, mais je rêve au cirque en 2006.
Mais pour voir quoi? Pourquoi pas au musée aussi? Au cirque pour voir quoi? Deux SDF qui jouent dans un bac à sable avec un nez rouge? Non mais... Pauvre gosse. C'est terrible de voir ça sans pouvoir rien faire. Bah résultat des courses, les gamins, ils vont faire des études tristes, ils auront un métier triste, et puis ils feront la gueule comme le psychologue de mon fils. Quel connard, celui-là. Ces questions à la con. Mais je t'en pose des questions, moi, je suis heureux. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre? Je suis heureux, moi. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre des questions, là? Je suis heureux, je te dis. Je suis heureux, tu comprends? Ah, je suis heureux. Connard. C'est vrai, je suis heureux, mais des fois, j'ai l'impression qu'il manque un petit truc. J'ai pas un ticket de show, je sais pas qu'est-ce que ça, Ah, c'est un truc... Ça m'énerve de pas trouver. Ah, la vache. Sud attaque, ça. La graisse autour du cœur. Quel connard, ce psychologue. Oh, ça fait mal. Oh, ah. Je vais quand même pas y penser. Si, si. Oh, oh. Alors, c'était ça, la vie. Pas mal. Oh. Oh, j'espère qu'il y a la télé, là-haut. Parce que l'éternité, d'accord, mais enfin, sans télé... Oasis.